Hey, salut la gang, Sean Beauvais. Une autre petite vidéo pour les parents ici. Je transmets un peu de connaissances, de choses que je vois ma blonde appliquer, puis que je trouve assez sensationnel, puis qui donne des résultats incroyables. Des choses que personnellement, en tant que papa, même si je me considère comme un papa de feu, je n'appliquais pas et que je commence à appliquer de plus en plus. Premièrement, ça va être l'importance d'expliquer les choses. Si ton fils ou ta fille dessine sur la table, expliquer les choses, c'est pas dire « ça fait 3000 fois que je te dis de pas dessiner sur la table, je veux pas que tu dessines sur la table, arrête de dessiner sur la table, sinon tu vas aller en punition. » Ça, c'est pas expliquer. Expliquer, c'est « écoute, mon homme, ou écoute, ma fille, quand tu dessines sur la table, ça tâche la table, puis elle est plus belle. Moi, papa, j'ai travaillé fort pour la payer, puis ça me fait de la peine quand tu tâches la table. Ou encore, même si j'arrive à la laver, c'est difficile pour moi de la laver parce qu'il faut que je la frotte, puis j'aime pas ça. » Ça, c'est expliquer à ton fils ou à ta fille. Ce que tu fais, c'est que tu vas expliquer, puis ça marchera pas du premier coup, là, on s'entend. C'est un processus, ça prend plusieurs fois. Après quelques fois que tu vas expliquer la même chose, tu vas tourner l'appareil de côté. Tu vas lui demander, mon fils s'appelle Antonin, « Antonin, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dessiner sur la table? » Là, lui va t'expliquer. En t'expliquant, premièrement, tu vas être capable d'identifier s'il y a quelque chose de l'explication qu'il n'a pas compris. Puis deuxièmement, lui, ça lui permet d'internaliser, d'assimiler un peu le pourquoi de la chose. Fait que, tu dis, explique-moi comment toi tu vois ça. La deuxième chose, c'est ça, c'est de te mettre dans ses chaussures. Après l'explication, de poser la question, c'est de te mettre dans les chaussures. Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi, même si je t'ai expliqué la raison pour laquelle on ne doit pas dessiner sur la table avec les crayons. Pourquoi toi tu continues de faire? J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça t'apporte. Est-ce que c'est le fun pour toi? Est-ce que t'aimes mieux dessiner sur la table que sur du papier? Pourquoi tu fais ça? Puis là, tu vas lui poser la question, dans le fond, pour essayer de comprendre sa vision des choses. Okay? Ça, c'est la deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que tu vas lui demander d'arriver avec une solution. Puis ça, je sais, ça peut être difficile, ou plutôt contre-intuitif pour un parent de dire « je te donne le contrôle, c'est toi qui décides la solution, mais ça fonctionne, c'est merveilleux. » C'est de lui dire, exemple, « ok, je t'ai expliqué le pourquoi, je sais que tu comprends bien, maintenant, comment qu'on pourrait faire pour que ça marche? » J'ai compris, je comprends bien aussi comment toi tu vois ça. Je me suis mis dans les souliers d'un petit garçon de 6 ans, puis je comprends là, pourquoi tu fais ça. Toi, tu comprends pourquoi je veux pas que tu le fasses. De quelle façon est-ce qu'on pourrait arriver à une entente pour plus que tu fasses ça? Puis là, ça se peut qu'ils te disent quelque chose qui n'a pas rapport. Ce que tu fais, c'est que si c'est pas une bonne solution, tu vas dire à ton enfant, « Ok, si on fait ça, moi, je suis capable de voir que ça ne réglera pas le problème. Est-ce qu'il y aurait une autre alternative? » Ce que ça fait, quand tu fais penser à ton enfant à des solutions, comme ça, pour y arriver, c'est qu'il finit par vraiment assimiler que c'est quoi la bonne chose à faire et vouloir la faire de nature. Parce qu'il s'est penché sur la question avec toi, puis il est arrivé à chercher des solutions pour trouver le problème. Fait que s'il règle le problème, il y a une certaine réussite. C'est une petite victoire dans sa tête. De cette façon-là, tu vas arriver, dans le fond, à faire des miracles, dans le fond. Juste en expliquant, premièrement, si ça ne rentre pas, tu retournes la situation de bord et tu vas lui demander de t'expliquer. Deuxièmement, te mettre dans ses souliers, essayer de comprendre lui comment il voit ça. Et troisièmement, tu vas, en anglais on dit « empower », tu vas lui donner le pouvoir de régler ça. Tu vas l'inclure pour trouver des solutions au problème. Puis avec cette petite technique-là, dans le fond,
Vous allez voir, ça fait des miracles. J'ai déjà vu ça en action avec le fils à ma blonde, puis j'ai commencé à le mettre en action avec mes enfants. C'est merveilleux. Je vous conseille vraiment ce truc-là. Donnez-moi des nouvelles. Si vous avez des parents qui ont certaines difficultés, partagez la vidéo. Si vous connaissez des parents qui ont de la misère avec ça ou qui ont besoin de trucs, partagez la vidéo. Aimez ma page. Aidez-moi à faire grandir ma communauté. Je vous aime, gang, puis bonne journée. Ha ha.